Bien, bonsoir, jeunes amis, téléspectateurs et téléspectatrices. Je voulais vous parler aujourd'hui des différents ligneurs. Vous voyez, pour quand on a un texte, des fois il faut surligner ou souligner. Mais ce n'est pas tout. Il y a les entrelignés, quand on est entre plusieurs lignes, qu'on fluctue, qu'on est un opportuniste comme cambadéliste. Il y a évidemment quand on surligne, on est au-dessus de la ligne, on la survole comme un avion allant s'écraser contre les tours jumelles. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas, bah, vous avez quand même loupé une partie du fun de l'activité, de toute l'activité télévisuelle ces derniers mois, comme disait David Pujadas. Si vous êtes plutôt souligneur, c'est que vous êtes sous la ligne, vous êtes un sous-marin en dessous de la ligne, vous allez tranquillement avec votre petit sous-marin nucléaire pour polluer l'Atlantique comme Jacques Chirac. Si vous êtes ligneur, que vous êtes dans la ligne, vous êtes par exemple comme au PCF des années 50, où bah t'avais la ligne et t'avais pas le choix, tu vois, t'avais la ligne. Après, vous pouvez être des hors-ligneurs, quand vous avez des téléphones qui marchent pas, comme moi. Quand vous en avez plein qui foirent et tout, vous êtes des bouseux. Et sinon, vous pouvez être des leaners, comme Frisk Orleans. Voilà, c'est tout pour moi.